Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à l'aéroport de Bogota pour quitter la Colombie, mais pas pour rentrer en France. Je vais partir aujourd'hui en direction de Lima, la capitale du Pérou, parce que oui, seulement quelques jours après avoir terminé l'aventure en Colombie, je repars pour une nouvelle aventure au Pérou. Voilà, c'est un peu la surprise, c'était pas prévu que je fasse ça. De base, quand j'ai organisé le voyage en Colombie, c'était prévu juste de faire un mois en Colombie et de rentrer en France. Mais en ce moment, depuis quelques temps déjà, avec beaucoup de compagnies, dont Air Canada, il est possible de modifier les dates de ces vols sans frais. Et bon, déjà, je vous dis que c'était pas prévu, mais déjà, avant de venir, j'avais déjà en tête de peut-être aller au Pérou après la Colombie, mais c'était pas organisé quoi. Et il y a deux semaines, du coup, j'ai pris la décision d'enchaîner avec le Pérou. J'ai donc modifié mon vol retour. Donc voilà, je l'ai décalé de à peu près un mois. Et j'ai donc acheté un vol aller-retour Bogota-Lima sur un mois. Je vais donc passer un mois au Pérou. Ce qui veut dire que voilà, on repart sur une aventure de un mois avec une vidéo par jour, bien sûr. Je tiens à remercier tous les tipeurs du voyage en Colombie parce que vous avez été particulièrement nombreux et c'est en grande partie grâce à vous si j'ai pris la décision d'enchaîner directement avec un voyage au Pérou. Donc vraiment un gros merci à vous parce que si j'avais pas eu autant de tips sur ce voyage en Colombie, je suis pas sûr que j'aurais enchaîné avec le Pérou directement derrière. J'espère que vous êtes content qu'on reparte sur une aventure seulement quelques jours après avoir terminé la précédente. Voilà, je vous avais rien annoncé pour garder l'effet de surprise et on repart donc sur un mois d'aventure ensemble. Enfin, c'est trop bien. Là, je suis juste devant ma porte d'embarquement. Je viens de passer l'immigration. Je vais donc prendre la compagnie Viva Air et j'ai payé l'aller-retour Bogota-Lima, 200 euros et j'en ai pour 3 heures de trajet. Là, on va bientôt embarquer. C'est parti, direction le Pérou. B and D, middle seat. C and D. Gracias. Je suis bien arrivé à Lima, bienvenue au Pérou. Là, je viens de sortir de l'aéroport qui est juste ici derrière moi. Le vol s'est très bien passé, hein. Ça a duré 3 heures comme prévu. Et en arrivant directement, j'ai passé l'immigration dans un premier temps. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de formalités pour venir ici. C'est pas très compliqué, c'est un peu comme pour la Colombie. Il faut juste deux doses de vaccin et remplir un formulaire tout basique avec numéro de passeport, nom, prénom, enfin des informations classiques. Petit truc un peu chiant, je suis un peu déçu, ils n'ont pas tamponné mon passeport. Voilà, j'ai pas de tampon sur mon passeport qui dit que je suis venu au Pérou. C'est un peu dommage, hein, en Colombie j'en ai eu un, mais j'aurais pas de traces du Pérou sur le passeport. Juste après l'immigration, je suis allé retirer de l'argent, il y a des distributeurs dans l'aéroport. Ici, la monnaie locale, c'est le sol. Et dans la foulée, je suis allé à un magasin d'opérateurs téléphoniques. Alors ici, les opérateurs, c'est les mêmes qu'en Colombie. Les deux plus connus, c'est Movistar et Claro. En Colombie, j'avais pris Movistar. Mais là, le premier sur lequel je suis tombé, c'était un magasin Claro. Donc j'ai acheté une carte SIM avec cet opérateur. Une carte SIM prépayée que j'ai payée 70 sols. Pour 9 gigas d'internet, 70 sols, ça fait à peu près 15 euros. C'est un peu cher, je trouve. C'est plus cher que pour la Colombie. En fait, ce qui est chiant, c'est que on peut pas, les étrangers qui n'ont pas de carte de résident, que ce soit en Colombie ou au Pérou, ne peuvent pas prendre les offres avec les cartes SIM autres que les cartes SIM prépayées. En fait, on est obligé de prendre ça et du coup, ça coûte plus cher.
du coup c'est pas possible d'avoir par exemple un forfait illimité. Sinon pour ce qui est de la température, il fait plus chaud, un peu plus chaud ici qu'à Bogota. J'ai regardé, là il fait quasiment 25 degrés, je vais pas tarder à enlever mon pull je pense. Et il fait à moitié beau on va dire, c'est assez nuageux, mais ça va. Tant qu'il pleut pas, moi je suis content. Là du coup je suis sur le parking juste en face de l'aéroport et je vais tout de suite commander un taxi pour rejoindre le logement que j'ai réservé ici. Je suis bien arrivé à mon logement ici à Lima et en fait il faut que je vous explique ce qui s'est passé. J'ai rencontré à l'aéroport Isabella qui est une Suédoise qui est en voyage ici au Pérou, qui vient d'arriver en même temps que moi. Du coup elle voulait aussi rejoindre le centre-ville, donc on a décidé de partager un taxi. Et comme son logement il n'est pas dans le même quartier que moi, il est dans un autre quartier de Lima, et ben je lui ai proposé de poser ses affaires dans ma chambre et de passer l'après-midi avec moi. Et on est aussi en compagnie de Arturo qui est la personne qui tient le logement dans lequel je suis. En fait on y est passé juste avant, on a tous les deux posé nos affaires et il nous a emmené dans ce restaurant qui est à 5 minutes à pied à peu près, parce qu'il nous a dit que c'était un bon endroit pour manger. On a tous les deux très faim, donc on est parti sur chacun un plat. On a pris le menu du jour qui coûte 10 sols, ça fait à peu près 3 euros. Et on a donc une boisson, une entrée que je viens de manger, c'était un ceviche, donc du poisson cru avec des oignons. Et voilà le plat principal, on a des haricots rouges avec du riz, une petite salade. Ça c'est quoi? Kaiwa. Kaiwa. Ok, c'est des légumes. Légumes préanca, ok. Des légumes traditionnels. Et du coup, Arturo, il parle français. Voilà. Donc c'est très pratique pour moi. Du coup, il peut m'expliquer plein de choses sur le Pérou et me donner beaucoup d'informations. Donc enchanté Arturo. Enchanté, nice to meet you. Et voilà, ça commence bien ce voyage au Pérou. Bon appétit. Regardez ça, en fait je viens de le couper en deux. C'est un gros légume, je sais pas exactement quel type de légume, mais à l'intérieur c'est fourré avec des carottes et de la viande hachée. C'est bon. Franchement ça passe super bien. Et du coup pour accompagner, j'ai pris un petit jus de fruits de la passion. Il y en a beaucoup ici aussi, enfin ça se trouve facilement. Et vous savez que j'adore ça. Après avoir mangé, on a pris un taxi pour rejoindre la Plaza Mayor, qui est la place principale de la ville de Lima. Elle est juste ici derrière moi, mais malheureusement cet après-midi l'accès est fermé. Vous voyez, il y a des barrières qui nous empêchent d'accéder. Du coup on a demandé à un policier pourquoi et il nous a expliqué que c'était à cause de manifestations qui avaient lieu en ce moment dans la ville de Lima et que du coup ça arrivait que l'après-midi la place soit fermée, mais que normalement demain ça devrait être ouvert, donc peut-être que je reviendrai faire un tour. En tout cas c'est vraiment magnifique, on a des très beaux bâtiments, une très belle architecture ici. Donc la place principale elle est en plein cœur du centre historique de la ville. Moi mon logement il est juste à côté du centre historique, enfin là en taxi on a mis une dizaine de minutes à peu près. Sinon Lima c'est la cinquième plus grande ville d'Amérique et il y a ici environ 13 millions d'habitants, sachant que dans tout le Pérou il y en a à peu près 33 millions, ce qui veut dire que quasiment la moitié de la population du pays habite dans la capitale. Donc là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se balader autour de cette fameuse place et dans le centre historique, un peu au hasard dans les rues. De toute façon on vient tous les deux d'arriver ici, donc on connaît rien de cette ville, il nous reste pas beaucoup de temps, là il est déjà 17h passé. Et voilà, on va se balader tranquillement dans les rues pour commencer à découvrir Lima. Que tá pendendo esse
Al final hemos llegado a un punto. Bon, au final on a fait un tour de la place, enfin depuis l'extérieur, et on a demandé à un policier si est-ce que c'était possible de rentrer à l'intérieur, parce que on voit quelques personnes qui se baladent à pied autour de la place, enfin à l'intérieur des barrières, depuis qu'on est là. Et au final il y a un policier qui nous a laissé rentrer. Voilà, il nous a dit qu'on avait le droit de se balader à l'intérieur tout autour, qu'on pouvait pas aller à l'intérieur du parc ici, mais voilà, qu'on pouvait faire une petite balade à l'intérieur. Et du coup on est complètement tout seul, voilà, à l'intérieur des barrières. Il y a quasiment personne en fait qui est au courant qu'on a le droit. Enfin, je sais pas vraiment comment ils s'organisent. En tout cas on a eu l'autorisation d'un policier, donc on peut profiter de cette place depuis l'intérieur. El agua resumada que tanto los medios de comunicación hablaron. En esta sociedad no existía la explotación de agua de combustible salvaje. Por eso hicieron el lujo. En donde el esclavista lo somete al esclavo. Ahí surge. Je suis de retour à mon logement après cette petite balade, voilà, première approche dans la ville de Lima en compagnie de Isabella qui est repassée ici avec moi pour récupérer ses affaires. Là, elle vient de partir. C'était vraiment très cool de passer cet après-midi, enfin cette fin d'après-midi plutôt, en sa compagnie. C'est une fille qui a beaucoup voyagé, du coup j'ai pas mal échangé avec elle sur le voyage. C'était vraiment très sympa. Ça commence super bien ce voyage au Pérou avec... une rencontre directement, même deux rencontres, parce que Arturo, le gérant de mon logement, est aussi très sympa hein, ce midi. J'ai beaucoup échangé avec lui aussi. Du coup, je vous ai même pas montré à quoi ressemble le logement, puisque on est juste passé tout à l'heure poser les affaires et on est reparti assez rapidement. Je paye ici 12 euros par nuit avec le petit déjeuner compris. Et j'ai une chambre très classique avec deux lits. Et à l'extérieur de la chambre, j'ai par ici... c'est la porte à côté, hein, la salle de bain avec les toilettes et la douche. Et par ici, on a un grand salon qui est un espace commun avec un canapé et deux fauteuils sur le côté. Et la salle de bain est aussi partagée avec les autres personnes qui logent ici. Mais Arturo m'a dit que pour cette nuit, j'étais tout seul, qu'il y a d'autres personnes qui allaient arriver demain. Et il est donc temps de clôturer cette vidéo puisque comme on a mangé tard, vers 16h30, j'ai pas du tout faim, donc ce soir je pense que je vais juste là faire le montage et quand j'aurai terminé je vais peut-être aller m'acheter un petit truc à manger, mais voilà, je vais manger très léger ce soir. Donc je termine cette vidéo maintenant, j'espère que ça vous a plu. C'était une journée où j'ai pas fait grand chose au final, hein. Normal, il y a eu le voyage, je suis arrivé dans l'après-midi, on a juste fait une balade dans le centre historique assez rapide, enfin assez rapide, on est resté quand même une ou deux heures, mais on n'a pas vu énormément de choses. C'est juste
une première approche quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment très sympa, c'est très joli hein, ce centre avec des bâtiments de style colonial. Ça promet, franchement ça promet ce voyage là. Déjà j'arrive directement très bien accueilli par Arturo et je fais une rencontre directement avec Isabella. Vraiment au top, ça va être un super voyage je pense ici. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez hâte de découvrir ce nouveau pays qu'est le Pérou. En tout cas moi, je suis vraiment super content. On est donc reparti pour un mois avec une vidéo par jour. Si ça vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.